Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, a procédé ce vendredi 12 mai 2023 à la clôture du 3e congrès de la Fédération des syndicats des personnels des Palmas africains, FESPA. Durant 4 jours, des délégations venues de plusieurs pays africains et aussi des États-Unis d'Amérique ont tenu des échanges portant sur plusieurs questions, notamment le terrorisme. Ces 4 jours de travaux, donc dans le cadre donc du 3e congrès, ce qu'il faut retenir, c'est véritablement en tout cas l'engagement des différents parlements, des différents syndicats de parlement à œuvrer davantage donc aux côtés donc des législateurs pour faire avancer la cause des travailleurs des parlements. Aussi, c'est réaffirmer aussi la contribution donc des syndicats, des différents syndicats, pour effectivement, en termes de solutions, de propositions de solutions, pour endiguer donc le terrorisme et son corollaire humanitaire que vivent nos pays. À l'occasion, des propositions ont été faites par les congressistes pour renforcer le rôle de veille des structures syndicales. Nous avons formulé des propositions tendant au renforcement du rôle de veille donc des structures syndicales au sein des parlements. Aussi, nous allons effectivement, comme je l'ai dit tantôt, renforcer le rôle des parlements, des syndicats des parlements dans la dénonciation donc des libertés, des atteintes des libertés collectives et des libertés démocratiques qui peuvent être bafouées donc, dans le cadre de ce contexte de lutte contre le terrorisme. Aussi, il faut dire que un des faits majeurs, c'est que effectivement au cours de ces travaux, les congressistes ont retenu la nécessité effectivement de fédérer nos énergies autour de la création donc d'écoles professionnelles qui va prendre en charge donc les besoins de formation donc des agents des différents parlements. Rappelons que ce 3e congrès de la FESPA s'est tenu du 9 au 12 mai 2023 à Ouagadougou avec pour thème contribution des syndicats des administrations parlementaires à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique. En outre, les délégations du Togo, du Mali et de la Centrafrique étaient absentes. Le prochain congrès de la FESPA se tiendra en mai 2026 au Sénégal. Boima TV, l'autre télé, by Pro Org.